Non, ce qui me faisait marrer Ça. en fait, ce qui me faisait marrer en fait, c'était le fait que tu me dises si tu veux qu'on s'en remette comme d'habitude. Et ça c'est cool, tu vois. Compris pourquoi, mais oui, pourquoi pas. Ouais, non, t'as raison, vaut mieux pas. On va pas épiler. Putain, mais pourquoi j'ai froid là? J'ai essayé de tringler le village assez vite parce que je me souviens que la dernière fois ça avait chié. Ouais, enfin, on a avancé, mais en fait, sur les ailes, on n'est pas. On est un chouïa à la Non, ramasse, non, quoi, non? il a tout balancé sur les ailes. Ouais, je pense, hein. Donc, du coup, j'ai appuyé un bon coup sur les ailes, moi, tu vois. Il n'y a pas d'avion sur cette partie? Pas encore. Mais j'en aurai en face B et surtout en face C. Non, mais en face, je veux dire. Ah non, il n'y a que dalle. Je m'amuse bien. Putain, t'as fait 225 points? Tu les as eu où? Mais oui, il arrête pas d'aligner tous les véhicules. Ouais? Ah, tu dois avoir la blindée, alors du coup, la 17ème. Oh, regarde, encore un qui va crever. Oh là là, mais quel abruti! En plus, c'est juste un camion, quoi. C'est le même camion hein, depuis tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Je ressors un avion, hein. Putain, alors ça, c'est de l'efficacité, hein. Le mec, il sort, il déglingue, il rentre. Rien à dire. C'est dingue comme tous ses obus à lui il touche. Ouais, hein, Et incroyable. comme les miens ils sont complètement dispersés. Non, t'as raison, ils sont très bons ces obus. Peut-être des obus spéciaux qui coûtent plus cher, tu sais. Je pense. Putain, t'es en train de le fumer le machin. Je le tue pas. Hein. Ouais, je sais. Elle était en train de tellement saturer la zone. Putain, des hommes normaux là-dessus, ils se feraient déglinguer quoi. On dit pas normaux. Je suis pas sûr, je crois bien. Je crois que t'as raison. Je vois ce que t'es en train de faire avec le camion de ravitaillement. Très cher. J'hésitais à le buter. Moi je sais déjà ce que tu veux faire avec. Sinon tu voudrais l'empailler, que tu ferais pas mieux. Ah, il a vu clair dans mon jeu. Tu veux dire qu'il a fait comme moi? Il a regardé ce que t'étais en train de faire et il s'est dit oh, ça pue par là. Quoi? Regarde. Tu l'as cap... Quoi? Tu l'as capturé? Il est où? Attends, je vais le chercher, ça le pire. Je le vois pas. Ah oui, ah, il est là-bas. Les connards. Putain, c'est pas possible. Oh, j'en ai chopé un autre. Oh putain, là, tu vas te faire foutre. Bah, c'était pas fait exprès cette fois-ci. Je m'en fous. T'es pas obligé de le dire à chaque fois. Putain, le mec, quoi. On dirait moi. Oh, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. Il s'est rendu compte au dernier moment qu'il y avait quelqu'un, il a fait oh, oups, oups. C'est ça, ouais. Du coup, il est mort, hein, en même temps. Et il a fait la même chose, en fait, tout à l'heure. Ok, d'accord. Fais gaffe, t'as un avion qui tourne en rond et il se fait pionner. À tous. Effectivement. Je viens de capturer un. Enfin, il m'a donné en fait son ravitaillement. Oui. Ah oui, genre il l'a envoyé dans mes troupes, tu vois. Il a fait au fait, tu manquais pas d'une ou deux balles. Je savais pas quoi foutre de ça. Excuse-moi. Ah, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il a donc? Ok, il veut jouer, on va jouer. On peut me faire chier, moi. Où tu sors, où je te sors, il va falloir prendre une décision, hein? T'en prends une décision, ouais. On dit qu'on se revoit de l'autre côté de la map? De l'autre côté de la map. Je peux comprendre. Bah, je vais arriver au bord de map, en fait.
Oh, me tente pas, tu sais très bien que je peux y arriver avant toi. Eh bah écoute, je t'attends. Parce que là, je pense que c'est mort. Hein. Sans vouloir te vexer. Gagné. Putain. C'est pas vrai. Le pire, c'est que mes gars, ils y sont presque, quoi. Oh là, je sais pas par quoi il est entouré, par contre, mais... C'est quoi ce délire, là? Attends, tu m'expliques ce qui est en train de se passer? Ah. Tu disais quoi à propos du bord de map? Ah, j'y étais en premier, hein. Oui. Mais par contre, tu m'expliques ce qui est en train de se passer, là? Ah bah, à mon avis, t'as pas assez de force, là. C'est pas une question de force, c'est une question que c'est complètement bugué. Non, c'est pas bugué, c'est juste que tes gars sont encerclés. Bah, ils sont encerclés par quelque chose d'invisible. Non, c'est tout simplement c'est parce que leur puissance n'est pas assez grande pour faire face à ce qu'ils ont en face d'eux. Rien à voir. Bah, ouais, si, je crois bien qu'il y a une histoire d'équilibre à ce propos-là. Non, c'est un truc qui est complètement invisible qui est autour de moi, en fait. Tu veux être invisible pour les véhicules. Je m'en fous, j'étais en premier quand même. Ouais, mais c'est moi qui le tiens vraiment en premier. Voilà. Parce que je suis pas encerclé, moi. Patate. Oh. Oh. Alors, surprise. Putain, t'as encore moins de pertes que moi. Oh, tu m'énerves. Oh, non. C'est pas faute. C'est pas faute d'avoir fait de la merde. Hein. Bon, après, c'est seulement à 90 que ça s'échappe, quoi, c'est... Ça va. J'avais que de l'infanterie et des anti-chars face de moi. Alors, quoi, alors là, je compte deux chars parmi les pertes adverses que tu leur as faites. Mais effectivement, t'avais pas grand-chose, quand même, comme char, en fait. Putain, à un moment, il y a eu les avions. Les avions éphémère. Sont tous morts d'un coup, hein. Ah oui, ça a été éphémère. Les avions, ça a été... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bim, allez, hop. Ah bah les munitions, par contre, c'est pareil, j'ai pas vu une seule artillerie, moi, pour de vrai, c'est genre vraiment l'icône de l'artillerie. J'en ai pas vu une seule. Hein. Je pilonnais tout le temps avant. Hein.